Je suis avec l'équipage 74, cette magnifique Alfa Romeo Veloce de 1974, en compagnie de sa pilote Valérie et de sa copilote Magali. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc vous êtes de la province d'Orléans. Exactement. À côté de Paris, quoi. Ah ouais, 100 km au sud de Paris, donc c'est pour ça qu'on a appelé notre équipage les Princesses d'Orléans et nous avons engagé 3 véhicules, donc cette en effet magnifique Alfa Romeo, voilà. Nous avons une Porsche 300, voilà, 4 autres copines, Sophie et Corinne qui sont sur une MGB et puis Carole et Laure qui sont sur une Porsche 356C. Voilà. Et toutes les 6, vous êtes originaires du Loiret. Nous sommes originaires d'Orléans, voilà, du Loiret, et on a monté ce projet ensemble. Ça fait un an qu'on travaille dessus pour pouvoir participer au Rallye des Princesses. Vous avez déjà participé par le passé. J'ai participé en 2012 au Rallye des Princesses avec une Orléanaise qui, elle, a gardé le virus. Elle le fait tous les ans depuis 2012. Et puis là, elle me dit, tu sais Valérie, c'est les 20 ans du rallye, faut que tu reviennes. Ah, 20e édition, faut revenir. Exactement, ça va être exceptionnel, faut que tu reviennes. Et moi, je me suis dit, je vais revenir, mais je vais revenir avec des copines. Et ça va être exceptionnel. C'est ça. Et elle nous a entraînés dans cette aventure. Nous sommes les 6 à l'avoir suivi. C'est merveilleux. Et vous-même, vous aviez déjà participé avant? Jamais, c'est la première. C'est la première? Oui. Vous appréhendez un petit peu? Un petit peu, mais après, on s'est déjà entraîné de nombreuses fois. Voilà, vous avez fait des runs un petit peu. Ouais. On a la chance d'avoir des roadbooks, on s'est procuré des roadbooks, donc on s'entraîne régulièrement entre nous. Et ça se passe bien? Bien sûr. Bon, c'est formidable. Et oui, tout à fait, on s'entraîne. Alors le plus difficile, ça a été l'étalonnage du Tripmaster, parce qu'on n'a pas le Tripmaster toute l'année dans la voiture. Donc là, on a mis un petit peu de temps avec Magali à l'étalonner, on s'y est pris à plusieurs reprises, mais ça y est, c'est au point. Centimètre. Ah bon, non. À ce point-là? Peut-être pas quand même. Allez, mètre près, voilà. Bon. Donc on est contente. Ouais. Alors, à Orléans, vous êtes quand même soutenue par la mairie, c'est important. Exactement, on remercie la mairie d'Orléans qui a apprécié, en fait on a fait différentes actions pour financer notre participation et puis pour soutenir aussi des associations de la ville d'Orléans. On a fait une action qui s'appelle Shopping Royal, qui est une action qui consiste à accompagner les Orléanais en voiture ancienne pour faire leur shopping auprès des commerçants. Alors les commerçants pouvaient acheter des petits badges VIP et les offrir à leurs meilleurs clients. Donc ça a beaucoup plu. Et puis la mairie nous a dit... spécial shopper en voiture. Exactement. Oui, ouais. Et avec des et voilà. Et on avait reconstitué un petit parc fermé, un peu façon Rallye des Princesses, avec un bar à champagne, un espace détente, voilà. Et puis on a également la mairie qui du coup a apprécié cette manifestation, a apprécié notre buzz sur les réseaux sociaux, et du coup nous a invités à faire notre soirée partenaire à l'hôtel Grolot. Alors l'hôtel Grolot, c'est l'hôtel de ville ancien, l'hôtel des mariages, qui est un lieu magnifique à Orléans, qui ne se prête jamais au privé. Donc on a eu cette chance de pouvoir faire cette soirée à l'hôtel Grolot. Vous avez la cote les filles, hein, ouais, là, c'est bien. Hein. Ouais, mais c'est qu'on a travaillé pour ça. Ouais, et puis du coup on soutient aussi donc, une course de canards. En fait, vous avez la Duck Race. Duck Race au mois de septembre à Orléans, et je vous encourage à y aller, il y a le Festival de Loire. Rappelez-nous la date. Alors ça a lieu du 16 au 22 septembre. Ouais. Et donc le 22 septembre, il y aura un lâcher de 35 000 canards sur la Loire. Et nous participons en proposant aux Orléanais d'acheter des canards, et les bénéfices de cette association, de cette manifestation, vont aller à des associations qui s'occupent d'enfants malades. Donc, est-ce que les gens pourront attraper les canards, ou les tirer? Non, ils achètent un canard et après il y a ce lâcher de 35 000 canards. Ah. Donc voilà, tous les Orléanais et autres. Mais il n'y aura pas de chasseurs ce jour-là? Non, nous préservons la nature. Je demande. Hein. Ah non, tous les canards sont récupérés. C'est juste un lâcher, voilà. Voilà, et ils sont récupérés au bout. Et le premier qui arrive, un canard personnalisé à son nom ou à son numéro. À son numéro. On parraine son canard, on peut choisir son numéro. Oui, tout à fait. Et donc c'est une très belle manifestation, parce que 35 000 canards, il faut quand même aller les vendre, hein, voilà. Donc c'est en ça qu'on va les aider, et notamment le 22 juin, nous on va refaire un shopping royal à Orléans, où les Orléanais pourront acheter leur canard. Et on fera une tombola avec des magnifiques lots à gagner, notamment des lots d'une artiste qui nous fait toute notre com, nos badges, etc. Et qui s'appelle ? Silou, c'est ICO, c'est la société ICO, c'est Silou. Elle est merveilleuse, il faut l'encourager. C'est elle qui fait tous nos avatars, qui nous a fait tous nos badges, qui nous a fait toute notre communication.
Elle est extraordinaire. Elle travaille bien cette fille. Hein. Elle est merveilleuse. Ouais. Elle a plein d'idées. Elle est aussi, il faut la soutenir. Voilà. Il n'y a que des copines à Orléans. Hein ouais, mais on est nombreuses là sur Orléans à participer au Rallye des Princesses parce que vous avez une autre Porsche 356, vous avez les Turbotines, il y a une Orléanaise aussi dedans. Donc on est plusieurs. Puis dans celle qui roule en 205. Exactement, c'est avec elle que j'avais fait le premier rallye. Voilà, Sabine. Sabine qui elle a un bon coup de volant. Hein. Ah, oui, exactement. Alors, elle est copilote, Sabine, mais Valérie a un bon coup de volant. Elle sait faire. Voilà. Ouais. Bon. Ça ne nous impressionne pas du tout. Non. Chacun a sa place dans cette course. Bon, bah, les filles, bonne route. Eh ben, merci. Bon classement et surtout terminé. Hein. C'est évident. C'est une question, ça. On va terminer, bien sûr. Bonne route à vous deux. Merci.